saluer aussi les gens qui sont connectés avec nous sur Internet. Euh, 138 personnes actuellement euh, d'un peu partout, hein, de France, de Canada, de Suisse, de Belgique, d'Allemagne, de Guyane, Côte d'Ivoire, Ukraine, Luxembourg, euh, Congo-Brazzaville, Guadeloupe, Danemark, enfin beaucoup de pays. Et si je regarde un petit peu en détail, euh, bon, c'est un peu plus compliqué à voir en détail, mais euh, au niveau du, du, du Canada, par exemple, il y en a à Sudbury. Ontario, je ne sais pas si c'est la, la, la famille Malundu qui est là, peut-être. Drummondville, alors vous allez compter le nombre de fois que je dis Drummondville. Hein. Alors là, il y, a, il y en a un de Drummondville. Bon, en France, il y en a de, de toutes sortes de villes. Je regarde un petit peu Annecy. Je connais bien, il y en a d'Annecy, de Paris, du Havre, Perm les fontaines Ah, ça, ça doit être papa et maman. Bonjour, papa et maman. <laughs> euh, euh, on a aussi la Suisse, on a Clermont-Ferrand, Toulouse, Lyon, Marseille, le Canet, Marseille, Marseille. Enfin, on a toutes sortes de villes de France, de Suisse, en Autriche, Yverdon, Genève, Neuchâtel. Et ensuite, on a Montréal, Drummondville, Drummondville, Montréal, Terrebonne, Roberval, Knollton, Knollton, vous connaissez ça, vous ah, Oui, il y a marqué que c'est au Québec. Bon. Drummondville, Drummondville. Victoriaville, Montréal, Drummondville, Drummondville, Ted Foreman. Ça fait combien de personnes de Drummondville, ça Ça fait 6, 7 wow. Alors, il y a quelqu'un qui m'a écrit de Montréal la semaine passée, c'est David. Il dit Premièrement, je tiens à vous remercier de nous expliquer clairement avec une grande sagesse l'Évangile. Depuis environ trois mois, même si je ne suis pas dans votre Église, je fais du rattrapage en écoutant vos enseignements sur votre site. Ça fait depuis que je suis tout petit que je crois en Jésus, mais je priais d'une façon régulière et je n'avais pas réalisé. Il y a marqué trois petits points que je suis appelé à faire beaucoup plus que ça et je réalise de plus en plus. Maintenant, j'ai ma Bible et ce dimanche, je vais dans une église chrétienne sur la rue Saint-Denis, car je demeure à Montréal. On est béni de voir quelqu'un écoute sur Internet et va maintenant à l'église. J'en profite pour dire à ceux qui nous écoutent sur Internet, on est béni que vous soyez avec nous, mais aller dans une église aussi, euh, c'est important. On salue aussi les, les frères et sœurs de Berthierville, de l'Église de la Parole vivante à Berthierville, Et j'aimerais euh, commencer en présentant nos excuses, parce que vous, vous n'avez rien vu ici, mais dimanche passé, techniquement, c'était... Et puis je parle, et puis tout d'un coup ça coupe. Et je vais vous dire que voilà. vous, vous l'avez pas eu ça. Mais les gens qui étaient sur Internet, ils ont eu ça à peu près toutes les deux secondes. Alors on a eu quelques soucis techniques. C'était la première fois que ça nous arrivait. Et on, on a réglé le problème. Du moins, je pense que tout marche bien. Vous me voyez bien, c'est fluide, c'est clair. Euh, c'est juste notre disque dur qui était plein. Écoutez, on a un disque dur de 4 Tera. Pour ceux qui. ça veut dire quelque chose, qui étaient pleins. On a dû effacer 500 gigs cette semaine. Donc, on espère que ça va marcher mieux maintenant. Et on présente donc nos excuses à Berthierville, qui ont été patients, hein, et qui ont supporté, qui ont réussi à écouter le message malgré les, les petits bugs, les, petits, les petites affaires, là, et puis ceux qui nous ont suivis sur Internet aussi. Euh, on va faire mieux. Je, je crois qu'on va de mieux en mieux quand même. Hein. Alors, on est dans ce quatrième volet de cette série. Laissez-moi vous parler de Jésus. Et j'aimerais vous inviter à tourner votre Bible dans l'Évangile selon Marc, chapitre 10, et on va rester sur ce texte, une histoire que vous connaissez peut-être, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, on va la lire ensemble. Marc, chapitre 10, à partir du verset 46, et nous voulons parler ce matin de marcher avec Jésus. Laissez-moi vous parler de Jésus. Et le thème ce matin, c'est marche avec Jésus, marcher avec Jésus. Jésus nous appelle à le suivre, Jésus nous appelle à marcher avec lui. Alors voilà ce qu'on peut lire dans Marc, chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de cette ville avec ses disciples et une grande foule, un aveugle nommé Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Beaucoup lui faisaient des reproches pour qu'il se taise, mais il criait encore plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent donc l'aveugle et lui dirent, courage, lève-toi, il t'appelle. Alors il jeta son manteau, sauta sur ses pieds et vint vers Jésus. Jésus lui demanda, Que veux-tu que je fasse pour toi L'aveugle lui répondit, Maître, fais que je vois de nouveau. Et Jésus lui dit, Va, ta foi t'a guéri. Aussitôt il put voir et il suivait Jésus sur le chemin. Alors cette histoire commence avec un aveugle qui est assis au bord du chemin. Et c'est un mendiant, assis au bord du, cham, du chemin, en train de mendier. Mendiant. Ça commence avec une situation dans laquelle on n'aimerait pas être. Je ne sais pas si vous, vous rêvez d'être mendiant. Déjà, un mendiant voyant, ce n'est pas facile, parce qu'un mendiant qui vous regarde dans les yeux peut venir peut-être amener votre, votre compassion. Mais un mendiant aveugle n'a même pas conscience de qui est autour de lui. Il est là en train de mendier, il est aveugle, il est assis au bord du chemin, il est dans une situation qui n'est pas euh, honorifique, une situation à laquelle on n'aspire pas à être. Matthieu 10, 46, je relis, ils étaient à Jéricho, Jésus sort de la ville, il y avait une foule, un aveugle appelé Bar -Timé, fils de Timé, était assis au bord du chemin et il mendiait. Cet homme s'appelle Bar-Timé. Et en araméen, le bar ici, ça veut dire fils, un peu comme le ben en hébreu. Ici, bar-Timé, littéralement, ça veut dire fils de Timé. Et Timé, Timé, euh, si on va dans la racine euh, chaldéenne, ça veut dire celui qui est impur. Mais par la suite, en grec, ce mot a, a changé de sens et signifie maintenant, à cette époque-là, celui qui est hautement estimé de grande valeur. Et là, on voit tout un paradoxe. C'est un homme dont le père est hautement estimé. Un homme dont le père a beaucoup d'estime, d'honneur, de prestige. C'est un, un VIP, mais son fils est aveugle. Et même si son père est hautement estimé, même si son père a beaucoup d'honneur, même si son père a beaucoup de prestige, son fils est aveugle. Et même si c'est Bartimée, même si c'est le fils de Timée, ça change rien parce qu'il est aveugle. Il est mendiant. La, le fait d'avoir un père bien placé ne lui redonne pas la vue. Le fait d'avoir un, un père qui a des relations qui connaît du monde, qui a beaucoup de prestige, qui a beaucoup d'honneur, ne lui redonne pas la vue. Il est aveugle. Et je ne sais pas si vous avez fait attention dans la lecture, mais sur sept versets, quatre fois, on répète aveugle, aveugle, aveugle. Voilà un homme qui ne voit pas, un homme qui est handicapé, un homme qui est aveugle. Et comprenez que dans la société de l'époque, dans le contexte de l'époque, Aveugle ici, c'est méprisable. Aveugle, c'est rejeté. Aveugle, c'est ce qu'on veut pas être. Et puis, il n'est pas là bien traité, cet aveugle. Il est obligé de mendier. Il n'a pas d'aide sociale. Il n'y a personne qui prend soin de lui. Il n'est pas dans un foyer pour aveugles. C'est un mendiant. On le rejette au point tel que sa seule survie est d'être dans la rue, assis au bord du chemin en train de mendier mais l'évangile c'est pas la société la société rejette l'aveugle la société rejette les aveugles en ce temps-là les aveugles étaient rejetés ils n'étaient pas honorés pourtant ce père qui avait une haute estime qui avait beaucoup d'honneur aurait pu garder son fils chez lui aurait pu en prendre soin aurait pu on imagine tout ce qui aurait pu se passer mais lui bartimé il est seul assis au bord du chemin, en train de mendier, malgré euh, l'honneur que peut avoir son père. La société rejette les gens qui ont un handicap, d'autant plus en ce temps-là, hein, d'autant plus à cette période-là, dès qu'on a un handicap, on est rejeté. Si quelqu'un était malade, si quelqu'un était lépreux, il était exclu. Si quelqu'un avait telle maladie, il était... Euh, rejeté, repoussé, on voulait plus rien savoir de lui. mais la bonne nouvelle de l'évangile, et c'est ce qui est révolutionnaire lorsque jésus marche sur la terre des hommes, c'est que lui a un autre message. si la société rejette jésus-lui, appelle. jésus-lui reçoit. jésus-lui va au-devant de ces gens-là. d'ailleurs, les hommes religieux vont reprocher à jésus d'aller vers des gens, de, des gens pauvres, des gens modestes, des gens qui sont exclus, qui sont rejetés. On parle de prostituées, on parle de gens de mauvaise vie, on parle de, de gens que la société avait mis de côté, mais Jésus s'adresse à eux. Et même dans, dans une parabole, Jésus dit, et c'est dans Luc chapitre 14 qu'on qu a ça. Jésus dit à celui qui l'avait invité Lorsque tu donnes, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil, mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Jésus est en train de dire à cet homme, tu vois, toi, tu invites tes amis, et puis ça se passe entre riches, mais invite plutôt ceux que personne ne veut. Et de qui s'agit-il Des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Jésus s'intéresse à ce, cette, cette tranche de la population. Et il lui dit, tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus répond avec cette parabole. Il dit, un homme donna un grand souper. Il invita beaucoup de gens. Comprenez que quelqu'un vient de dire, heureux celui qui va prendre le souper avec toi dans le royaume de Dieu. Heureux celui qui va être à table avec toi dans le royaume de Dieu. Jésus donne cette parabole, c'est connecté. Un homme donne un grand souper, il invite beaucoup de gens. Avez-vous reçu un carton d'invitation pour ce souper que cet homme donne Non Vous avez checké la, la boîte à mail Et Il y en a en Europe, il dit, qu'est-ce qu'il dit là Bon, c'est pas grave. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés Venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, tous, on a juste quelques exemples ici, mais il est dit Tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Ils sont invités dans la maison d'un homme riche pour un grand souper. Elle dit Non, non, je peux pas. Le premier lui dit J'ai acheté un champ. Je suis obligé d'aller le voir excuse-moi, je te prie Alors de deux choses l'une soit ce gars il a acheté un champ sur internet et puis il n'a pas vu encore le champ mais habituellement quand on achète un champ on l'a déjà vu avant Non ça ne fait pas un mauvais prétexte ici et puis attendez il est invité à un souper et on dit: venez car tout est déjà prêt. Il va voir le champ de nuit. C'est le soir, là. Et il dit Non, 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 je ne peux pas, là. Il faut que j'aille voir le champ que je viens d'acheter. Attends, ton champ, il va pas se déplacer. Hein. Ton champ, il va pas bouger. Demain, il sera toujours là. Mais il dit Non, je veux le voir tout de suite. Alors, cet homme est là avec cette raison. Il dit C'est mon argument. Je ne peux pas venir à ton souper parce que je viens d'acheter un champ. Sous-entendu, je suis en train de m'enrichir, je suis un homme important, je suis un propriétaire terrien, moi, ton souper, moi aussi, je suis quelqu'un d'important, je n'ai pas besoin d'être invité à souper, j'ai les moyens de m'acheter un champ et d'avoir mon propre souper. Il n'y a, a pas un peu de ça ici. Un autre dit, j'ai acheté cinq paires de bœufs, je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Cinq paires de bœufs. C'est en V6, 5 cylindres, 6 cylindres. Ça, ça doit être rapide, ça. Aussi. Il y a de la puissance là-dedans. là, là Bon, ce n'est pas pour faire de la vitesse, les cinq paires de bœufs, mais n'empêche qu'il y a de la puissance là-dedans. 5 paires, ça fait 10, ça, non Mais imaginez, derrière une charrue, avec cinq paires de bœufs. Waouh je veux dire, là, les, les John, euh, D, le John Deere, comment tracteurs John Deere, c'est rien à côté, là, de cette puissance qu'il peut y avoir là il dit waouh, ouais. voyez c'est. Je pense que celui qui a acheté ces cinq paires de bœufs là, ça devait être un vrai, hein, un vrai dur là. Il dit waouh, ouais. il faut que je les essaye. Attends, il fait, il fait nuit, hein. Il veut les essayer de nuit. Je sais pas s'il avait comme sur les tracteurs les, les projecteurs là, <laughs> mais il veut essayer ces bœufs là. Il dit, hey, pour lui ces bœufs, c'est c'est ça le plus important. Lui sont, c'est bien matériel. C'est ça sa richesse, c'est ça ce qui compte dans la vie pour lui. Le repas auquel il est convié ou auquel, auquel il est invité n'a pas d'importance. Ce qui est important pour lui, c'est « Hey, j'ai cinq paires de bœufs, j'ai de la puissance, j'ai de la force. » Est-ce qu'il est qu n'y en a pas qui sont capables d'avoir la, la même chose avec leur voiture, avec leur char ?« Wow, ouais, j'ai une nouvelle voiture, j'ai de la force, j'ai une Mustang. <laughs> » <Non. rire> ouais. Bon, en, en hiver, c'est plus dur, mais pour d'autres, ça va être une Harley euh, Davidson, hein, une moto, ou ceci ou cela. D'autres vont dire, dire j'ai un nouvel ordinateur, il faut que je l'essaie, j'ai un nouveau ceci, j'ai un nouveau cela. Et ils mettent leur espoir, leur bien, leur joie, leur fascination dans des choses matérielles, techniques ou mécaniques, alors qu'ils sont invités dans un repas. Dans un repas, c'est pas du matériel, c'est pas du technique, c'est pas de la mécanique, c'est de la relation. C'est de la communion. Manger ensemble, en latin, c'est communier. Et là, il est invité à passer du temps à manger avec cet homme riche qui l'invite dans sa maison. Et lui dit Moi, ce n'est pas la communion qui m'intéresse, c'est la technique, c'est la mécanique, c'est les biens matériels. On est dans un monde moderne où les gens sont de moins en moins en relation les uns avec les autres. De moins en moins en communion les, les, les uns avec les autres et à plus forte raison avec Dieu. Et parce qu'il y a des biens matériels, techniques, électroniques ou mécaniques ou toutes sortes de choses qui, qui attirent plus d'importance. Je ne sais pas si une femme dirait, il faut que j'essaye mon nouveau lave-vaisselle. <laughs> non Ou mon nouveau euh, vaporéto, ou je ne sais pas quoi. En tout cas, ici, il y a. Préfère les affaires matérielles que la relation, la communion, le repas auquel il est invité. Un autre dit, et là on va dire, vous, oh mais là, ça, on peut rien dire là-dessus. Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis y aller. Tu comprends, là, je suis jeune marié, je ne peux pas venir. Donc, comprenez que quand on se marie en ce temps-là, le mariage dure une semaine au moins. Hein donc, quand il dit je viens de me marier, on n'est pas là le lendemain du mariage. Il s'est passé quelque temps déjà, hein? ce n'est pas le lendemain même du mariage. Mais il dit je viens de me marier, en d'autres termes, moi je suis en relation, en amour et fasciné par mon épouse et le reste compte pas. Et c'est toujours le même principe. Pour certains, ça va être le, euh, la terre, pour d'autres, ça va être euh, la mécanique, la technique. Là, ça va être une autre relation qui est bonne et qui est correcte et c'est normal, mais qui dit qu y a plus d'importance que l'invitation à laquelle il a été, euh, qui lui avait été donnée. Et comprenez que cette invitation dans le contexte, c'est Dieu qui invite. C'est Dieu qui invite à un repas dans le ciel, à être en communion avec lui. C'est Dieu qui invite, si on veut reprendre l'expression de l'Apocalypse, aux noces de l'agneau. C'est Dieu qui invite à sa table dieu t'invite à sa table pas seulement pour manger de bonnes choses pour être béni et rassasié de tous les mets succulents qui sont sur sa table mais surtout pour être en communion avec toi pour, pour manger avec toi pour partager avec toi et quand le seigneur invite est-ce que toi comme ces gens-là tu réponds je ne peux pas j'ai d'autres choses à faire et alors qu'on dit laissez-moi vous parler de Jésus, on veut simplement dire ce matin, Jésus t'appelle. Jésus t'invite. Il dit qu'il y a une place qui t'est préparée. Est-ce que tu vas aller ou est-ce que tu vas avoir un prétexte, une défaite, une excuse pour dire non non, je peux pas pour telle et telle et telle raison. La conclusion de ce récit quand le serviteur euh, revient et rapporte à son maître toutes ces choses le maître de la maison est fâché, il est irrité, il dit à son serviteur Va promptement dans les places, dans les rues, dans les villes, amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Et le maître va dire Ce que j'ai invité, ne veulent pas Va chercher ce que personne n'invite. Va chercher des pauvres, des estropiés, des aveugles, des boiteux. Va dire à un pauvre Tu n'as pas mangé de la semaine il y a un homme riche qui t'invite à un grand repas. J'hésite. Il veut dire, hé, hey, waouh, j'arrive. Non Va dire à un estropié, tout le monde te rejette, personne ne veut passer du temps avec toi. Même ta famille te rejette, un aveugle, un boiteux, tout le monde t'exclut, mais il y a quelqu'un qui t'invite et qui veut passer du temps avec toi, qui t'invite à sa table, qui t'invite à cette communion avec toi. C'est moi vous dire que les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux acceptent avec joie ce genre d'invitation. Est-ce que nous nous considérons comme riches, et c'est le fléau peut-être des sociétés modernes et occidentales, on dit non mais moi je n'ai pas besoin de Jésus, moi je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin d'aller dans la maison d'un riche, moi aussi je suis riche. Je n'ai pas besoin d'aller auprès de Dieu. Moi, j'ai de l'espoir, j'ai de la joie, j'ai de la paix, j'ai tout ce qu'il faut dans mon cœur. Je ne suis pas en, en besoin. Euh, la religion, Dieu, Jésus, c'est pour ceux qui ont des vides dans leur cœur. Mais moi, j'ai besoin de rien. Et c'est ce sentiment de n'avoir besoin de rien qui crée un drame dans la société dans laquelle nous sommes et qui pousse bien de nos contemporains. Peut-être certains parmi nous, peut-être qui nous écoutent sur Internet, à dire non à l'invitation que Dieu leur fait. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens considérez frères qui euh, considérez frères qui vous êtes, vous qui avez été appelés. Il y a parmi vous, du point de vue humain, peu de sages, peu de puissants, peu de gens de noble origine. Au contraire. Dieu a choisi ce qui était folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour couvrir de honte les forts. Il a choisi ce qui est bas, méprisable ou ne vaut rien aux yeux du monde pour détruire ce que celui-ci estime important. Ainsi, aucun être humain ne peut se vanter devant Dieu. Dieu a choisi. Ce qui est faiblesse aux yeux du monde. Il a choisi ce qui est bas et ce qui est méprisable. Et quand on y réfléchit bien, la valeur que l'on pense avoir n'est pas grand chose par rapport à celle de Dieu. Et quand quelqu'un se croit important, eh bien, au point de refuser l'invitation de Dieu, et même au point de se mettre au même niveau que Dieu en disant, mais moi, pas besoin de Dieu, et eh bien, c'est que la personne ne réalise pas le triste état dans lequel il est. Mais lorsque nous savons, avec humilité, réaliser que nous sommes bien petits, que nous sommes bien faibles, que nous sommes bien misérables et bien peu de choses, alors on peut, comme ce mendiant aveugle assis au bord du chemin, appeler et dire Seigneur, aide-moi. Et c'est ce qui se passe. Cette, ce mendiant va pousser un cri d'espoir. Il, il crie et c'est le deuxième point, un cri d'espoir. Ce mendiant va dire "Au secours, Jésus, fais quelque chose pour moi." Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier "Jésus, Fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi." Il y a quelqu'un qui me racontait dimanche passé que c'est parce que en passant dans la rue elle a vu une Bible devant cette église où il y avait marqué Quand un malheureux tri, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses, que ça lui a donné le goût de venir à l'église. Depuis, on la voit tous les dimanches. C'est qui Vous cherchez. Quand un malheureux tri, l'Éternel entend. Et ce malheureux, Bartimé, va crier, va dire « Jésus, viens au secours et pitié de moi ». Et il y a des gens qui vont dire à Barthimée « Tais-toi !» Ils vont lui faire des reproches. Verset 48. Beaucoup lui faisaient des reproches pour qu'il se taise, mais il criait encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ». Est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui encore, des gens fassent des reproches à ceux qui prient à Jésus Est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui encore, il y ait des gens à Drummondville, à Berthierville ou ailleurs, de ceux qui nous écoutent, qui disent Mais moi, quand je dis que j'ai besoin de Jésus, que je crie à Jésus, qu'il est ma, ma réponse, mon secours, que c'est en lui que je peux compter, il y a des gens qui disent Non, non, mais tu es complètement fou, arrête, ça marche pas qui vont faire des reproches en disant Mais c tu comprends pas, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et c'est ce qu'on fait avec Bartimée. Il y a des gens qui vont dire à Bartimée, Tais-toi, tu fais trop de bruit. J'espère que je ne fais pas trop de bruit ce matin. Alors, je vais parler moins fort, hein, excusez-moi. Non, si j'ai envie de parler plus fort, je parle plus fort. Tu fais trop de bruit, Bartimé. Et ils vont dire à Bartimé, mais tais-toi, arrête, tu déranges. Mais Bartimé, il n'en a rien à faire de déranger. Bartimé, il n'est pas là pour le politiquement correct. Il n'est pas là pour dire, je reste à ma place, je suis qu'un mendiant aveugle, je me contente de ma petite pièce. Il sait qu'avec Jésus, il aura bien plus qu'une petite pièce. Il sait qu'avec Jésus, c'est bien plus qu'un peu de, 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 de charité qu'il va avoir. Il sait que Jésus, c'est le fils de David. Et là même, il y a théologiquement parlant quelque chose d'intéressant, c'est que les gens qui sont autour de Jésus ne voient pas, ne savent pas, ne réalisent pas qui est Jésus. Mais Bartimée, tout en étant aveugle, a vu que Jésus, c'était le fils de David. Que Jésus, c'était le Messie promis que Jésus, c'était lui qui venait délivrer, sauver, secourir, ouvrir les yeux des aveugles. Et on fait des reproches à Bartimée. Alors, je me suis toujours posé la question, mais quel genre de reproches on peut faire à Bartimée On peut faire des reproches à Bartimée parce qu'il fait trop de bruit, parce que du coup, on n'entend plus Jésus, parce qu'il dérange. Ou on peut faire des reproches à Bartimée parce que son point de vue théologique dérange. En disant, Bartimée, fils de David, là... Ne crois pas que tu exagères un peu, c'est Jésus de Nazareth. C'est peut-être un prophète, c'est peut-être. Bon, son père était Joseph, hein, tout le monde le connaît. Et toi, tu dis, tu oses dire que c'est le Fils de Dieu, que c'est le Messie promis, que c'est le, le Fils de David. Barthimé, tu as vu ça où Tu es aveugle. Et on fait des reproches à bartimée mais Barthimé sait au fond de lui que c'est vrai. Et quand on lui fait des reproches pour qu'il se taise, il crie encore plus fort. Il crie encore plus fort. Et Bartimée, on lui dit, tais-toi, et lui dit, non, je ne me tairai pas. Et si on regarde bien dans quelle, euh, comment dire, la, la, la ligne de temps par rapport à ce récit-là, Jésus est en train de quitter Jéricho, il est sur le chemin qui monte à Jérusalem. Et Jésus qui monte à Jérusalem, eh bien, quitte Jéricho, Bartimée se dit mais si Jésus est en train de quitter Jéricho, si c'est pas maintenant, je manque l'occasion. Quelqu'un pourrait lui dire non, non, mais il repassera. On est là à quelques jours de la crucifixion. C'est maintenant ou jamais. Et Bartimée prend les choses très au sérieux. Et quand Jésus passe, il ne dit pas bon, ben cette valeur, mais c'est comme ça, ce sera pour une prochaine fois. Non, non, on fait taire Bartimée, Bartimée crie encore plus fort. Et il dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il y a ceux qui encouragent, il y a ceux qui découragent. Il y a ici des hommes qui veulent faire taire Bartimée, et j'espère que dans l'Église aujourd'hui, on ne ressemble pas à ceux qui vont faire des reproches aux malheureux qui crient en disant, écoute, tu fais un peu trop de bruit, toi. Bon, je comprends que tu es beaucoup de malheur, mais arrête de trier aussi fort. On ne veut pas être de ceux qui vont faire des reproches, on veut être de ceux qui encouragent. Et s'il y en a qui ont tendance à faire taire ceux qui ont de la foi, ceux qui ont de l'espoir, ceux qui, ont de, qui poussent ce cri de désespoir en disant, j'ai besoin que Jésus m'aide, eh bien, laissez-moi vous dire que ce n'est pas comme ça qu'on veut fonctionner dans cette Église. On ne veut pas être de ceux qui disent, tais-toi, on veut être de ceux qui disent, Prends courage, Jésus t'appelle. Et c'est le troisième point. Que nous voulons te dire, nous voulons vous dire ce matin. Alors que nous disons, laissez-moi vous parler de Jésus. On veut dire Jésus t'appelle. Et c'est ce qui va se passer au verset 49. Jésus s'arrête et dit, appelez-le, ils appelèrent l'aveugle en lui disant Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et quand nous disons ⁇ Laissez-moi vous parler de Jésus ⁇ c'est ce genre de phrase que nous voulons dire à ceux qui nous entourent ⁇ Prends courage, arrête, prends courage ⁇ ça veut dire ⁇ T'es plus dans le désespoir, reste pas dans ta misère, il y a quelque chose de mieux pour toi, prends courage, lève-toi, il faut que ça change dans ta vie, repends-toi peut-être, on pourrait dire ⁇ Il t'appelle, lève-toi, il t'appelle. ⁇ Et ça, c'est ce que nous sommes appelés à dire à ceux qui nous entourent. Lève-toi, Jésus s'est arrêté. Il a dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle. Et en, en essayant de, de, de s'imaginer cette scène, Bartimée est assis au bord du chemin. Jésus passe. Pourquoi Jésus dit, faites-le venir. Alors attendez, euh, je vais faire avec une petite yap. Bartimée, Jésus. Ça va faut que je vous mette la photo. Non, bon. Jésus passe. Si Jésus appelle Bartimée, il va pas dire Viens Bartimée, ben, il va venir. Mais si Jésus est déjà passé, il va dire Faites venir Bartimée. Est-ce que ça marche là Ça va, c'est de la géométrie variable Ça, ça m'amène à conclure quoi Ça m'amène à conclure que Jésus est passé devant Bartimée et que la foule qui était là ont masqué, camouflé, tais-toi, peut-être. Faut pas que Jésus l'entende. Et si Bartimée crie encore plus fort, c'est parce qu'il est peut-être aveugle, mais il entend très bien. Et il entend que c'est en train de passer et que même en train de s'éloigner. Et s'il crie plus fort, c'est parce que Jésus est plus loin. Et il veut être sûr que Jésus l'entend. Alors qu'il entend que ça passe, au lieu de baisser les bras et de dire ⁇ C'est fini, c'est trop tard, Jésus est passé devant moi, il s'est même pas arrêté ⁇ il prie plus fort. Et Jésus s'arrête. Et peut-être quelqu'un pourrait être dans ce même sentiment que Bartimée, en disant ⁇ Mais j'ai appelé, j'ai crié, j'ai prié, j'ai demandé du secours à Dieu et il est passé devant moi, il ne s'est rien passé. Prends courage, lâche pas, persévère, prie plus fort. Jésus s'arrête, il se retourne et il dit, allez le chercher. Et alors, on va chercher Bartimée, on lui dit, prends courage, il t'appelle. Et là, je vais passer sur le récit de Jean et je vais directement au quatrième point. Et là, Bartimée va faire un pas de foi. C'est-à-dire, comment ça, un pas de foi ben, Regardez bien, si on, on regarde Matthieu, un pas de foi, on est toujours dans Marc, pardon. Marc, chapitre 10, verset 50, l'aveugle jeta son manteau, se levant d'un bond et vint vers Jésus. On dit à Bartimée, prends courage, lève-toi. Il prend courage, il se lève, il t'appelle, il vient. Mais il y a un petit détail ici, il jette son manteau. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il jette son manteau? Parce que le manteau de Bartimé, c'est un manteau de mendiant, un manteau d'aveugle. Et comprenez qu'en ce temps-là, euh, l'habit, euh, je veux dire, c'était un manteau qui caractérisait le fait que c'était un mendiant. Pas que c'était un manteau, je ne sais pas comment il était ce manteau-là, mais en tout cas, juste avec son manteau, on savait que c'était un mendiant. Et Bartimé le jette. Pourquoi Bartimé le jette Parce qu'il sait au fond de lui-même. Parce qu'il croit au fond de lui-même que parce que Jésus l'appelle, sa vie va être changée. Et qu'il n'a plus besoin d'un manteau de mendiant, parce que Jésus va transformer sa vie. Bartimé fait un pas de foi, il jette son manteau en disant, j'ai plus besoin de ce manteau de mendiant. Il se lève d'un bond, il vient vers Jésus. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux, Bartimé Et Bartimé répond, bah, je veux voir. Je veux retrouver la vue. Je veux voir de nouveau. Et Jésus va lui dire Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Aussitôt, Bartimée retrouve la vue (Marc 10,52) et suivi Jésus sur le chemin. Aussitôt, à ce moment précis, le miracle est là. Bartimée obtient ce qu'il voulait. Il voit. Mais notez bien que Bartimé ne se contente pas de voir maintenant. Il ne dit pas maintenant que je vois, je peux faire mes affaires. Maintenant que je vois, je peux retourner dans ma famille. Maintenant que je vois, je peux retourner chez mon père. Je peux faire du commerce. Je peux devenir quelqu'un d'important comme mon père. Je peux euh, euh, être la fierté. Non, non. Il dit maintenant que je vois, je veux suivre Jésus. Je ne veux pas quitter Jésus. Je veux marcher avec lui. Bartimée suit Jésus. Bartimée est de Jéricho, mais il va aller jusqu'à Jérusalem avec Jésus. Et il va être là, et il va assister aux événements de la passion, de la croix. Et certainement, croire qui va entendre parler de la résurrection de Jésus aussi, parce qu'il fait partie de ceux maintenant qui suivent Jésus. Ta foi t'a sauvé, Bartimée. croit qu'en s'approchant de Jésus, tout a changé. Tout va changer. Et pourquoi est-ce que tout change Parce que Jésus l'appelle. Laisse-moi te dire ce matin que si Jésus a appelé Bartimée, Jésus veut t'appeler aussi. Peut-être que Jésus t'a déjà appelé plusieurs fois, mais tu l'as pas entendu. Peut-être que toi-même, tu faisais partie de ces hommes qui avaient toutes sortes de, de réponses. Je ne peux pas. Je viens de m'acheter un champ, je viens de me marier, je viens de ceci, je viens de cela. Je ne peux pas, j'ai d'autres choses à faire. Mais quand tu réalises, et peut-être que tu es dans ce point-là maintenant, de réaliser que tu es finalement comme Bartimée, tu n'avances pas, tu es assis au bord du chemin, tu es un mendiant, tu es pauvre, spirituellement, il n'y a rien en toi, tu sens un vide, tu sens un creux, tu dis mais c'est quoi le sens de ma vie, c'est quoi le but de ma vie et je ne vois pas, je ne réalise pas, je ne comprends pas. Mais quand tu réalises que finalement ta vie ressemble beaucoup à celle de Bartimée, laisse-moi te dire que Jésus passe aujourd'hui. Jésus passe, il est là près de toi. Et il est là au milieu de nous, il nous fait cette promesse dans, dans, dans la Bible avant de, de remonter au ciel. Il nous dit qu'il est là où deux ou trois sont rassemblés en son nom. Il est au milieu de nous et il est là. Maintenant, tu as plusieurs options. Peux dire bon ben Jésus est là d'accord ou tu peux faire comme Barthimée croire et dire si c'est le même Jésus dont on parle ce Jésus qui est le même hier aujourd'hui pour toujours on a dit ça dimanche passé et eh bien ce Jésus qui est le même j'ose croire que avec lui tout peut changer dans ma vie et nous voulons être de ceux qui qui vous encourage ce matin et qui disent prends courage Jésus t'appelle prends courage jésus t'appelle ne, ne laisse pas passer ta chance ne laisse pas passer ce moment pivot de ta vie où tout peut changer l'apôtre paul va dire les choses anciennes sont passées toutes choses sont devenues nouvelles et c'est vrai pour tous ces écrivains de la bible mais c'est vrai pour nous aussi aujourd'hui il y en a beaucoup dans cette salle il y en a beaucoup à berthierville aussi qui pourrait simplement dire quand j'ai entendu Jésus m'appeler, quand je suis allé à Jésus, tout a changé dans ma vie. Non Il y en a qui sont capables de dire ça vous Pouvez lever la main Et ceux qui ne croient pas, regardez ceux qui ont levé là. Et ceux qui ont du mal à croire, regardez ceux qui ont la main levée. Puis vous irez leur poser la question en disant raconte-moi ton affaire là. Et vous leur direz j'étais comme Bartimé. Mais il a changé ma vie. Et la bonne nouvelle, c'est que ce matin, Jésus veut changer ta vie. Mais ne s'est pas contenté d'avoir les yeux ouverts. Maintenant qu'il comprend, il savait déjà au fond de lui-même que Jésus était le Fils de David. Au travers de ce miracle, il en a comme la preuve. Il est vraiment ce Messie promis. Eh bien, maintenant ne dit pas :« Maintenant que je vois, je retourne à mes affaires. » Il dit :« Maintenant que je vois, je suis Jésus. » Et j'aimerais vous inviter à suivre Jésus et à marcher avec Jésus. Et j'aimerais encourager peut-être ceux qui ont vécu l'expérience de Bartimée qu'à moitié. Peut-être que certains ont été touchés par la grâce, touchés par le Seigneur, touchés par l'Évangile. Leurs yeux se sont ouverts, ils ont reçu de la, la paix de Dieu dans leur cœur, le salut est rentré dans leur maison, mais ils sont toujours assis au bord du chemin croyez pas qu'il y aurait une anomalie de voir un Bartimé avec un manteau d'aveugle, mais les yeux ouverts et continuer à mendier Mais Bartimé, arrête de mendier. Tu n'es plus aveugle. Tu peux travailler maintenant. Tu peux, tu peux avoir un meilleur salaire que mendier. Tu peux, euh, tu peux fonder une famille. Tu peux faire toutes sortes de choses. Tu peux être utile pour Dieu. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens. Qui vivent peut-être le miracle de Bartimée, mais qui continuent à rester assis au bord du chemin, ou peut-être comme Pierre, dans Matthieu chapitre 26 verset 58, il est dit à ce moment-là du moins que Pierre le suivit de loin. Pierre suit Jésus de loin. Il regarde les choses de loin, sans trop s'impliquer. Et pour ceux qui connaissent bien ce récit, on sait que ça va mal finir ça va mal tourner parce que Pierre suit Jésus de loin et j'aimerais vous supplier, vous encourager, vous exhorter ce matin à pas faire les choses à moitié, à pas suivre Jésus de loin, à pas dire moi je suis chrétien mais juste un peu le dimanche. Moi je crois en Jésus mais pas plus que ça. Bartimée sait que Jésus est le fils de Dieu, il a expérimenté un miracle dans sa vie. Et sa première décision, c'est de suivre Jésus dans le chemin. Et d'être près de Jésus, d'être avec lui, de jamais lâcher sa main, d'être toujours dans sa présence, d'être toujours avec lui. Alors, si tu t'es éloigné de Jésus ce matin, si peut-être comme Pierre, tu le suis de loin, tu es dans une situation dangereuse qui risque de mal finir. Il est temps de se rapprocher. Il est temps de revenir. Et il est temps de dire, je veux suivre Jésus. De près j'arrive à la conclusion. et pour la conclusion, si vous avez votre bible, on peut aller dans galates. on va lire dans la bible en français courant directement dans galates, chapitre 5, verset 13. galates, chapitre 5, verset 13, dans la bible en français courant. mais vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. jésus vous appelle à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute la loi se résume, se résume dans ce seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais si vous agissez comme des bêtes sauvages, en vous mordant et vous dévorant les uns les autres, alors prenez garde, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voilà donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus au désir de votre propre nature. Amen. On prie ensemble. Nous ne voulons pas, Seigneur, laisser... Notre propre nature nous conduire et nous diriger. Nous voulons pas vivre selon la chair, nous voulons pas vivre selon la vue, mais marcher par la foi. Nous voulons, Seigneur, marcher et te suivre près de toi. Nous voulons pas avoir de chrétiens le nom seulement, mais nous voulons rester dans ta présence tous les jours de notre vie et marcher dans ces principes d'unité, d'amour, de foi, de zèle, de service, tout ce que la Bible nous parle. Seigneur, je prie ce matin pour ceux qui réalisent peut-être qu'ils sont comme Bartimée, mendiant, aveugle, assis au bord du chemin. Je prie pour que ça change dans leur vie. Je prie pour une transformation dans leur vie. Je prie pour un miracle dans leur vie aujourd'hui. Seigneur, viens changer, que le, ils ouvrent les yeux, qu'ils comprennent la grandeur de ton nom. Puissent marcher avec toi. Je prie pour ceux qui se sont peut-être refroidis, pour ceux qui qui ont marché avec toi, mais qui ont croisé les bras, qui se sont assis au bord du chemin. Prie Seigneur que tu puisses par ton esprit rappeler à toi, que chacun puisse te suivre avec zèle, avec amour, avec passion, pas te suivre de loin, mais être tout près de toi, chaque instant, chaque moment, pas seulement le dimanche, mais tous les jours de notre vie. Être près de toi pour t'entendre nous parler à notre cœur, pour nous conduire et nous diriger. Pour, pour être en communion, en amitié avec toi. Merci Seigneur de parler par ton esprit maintenant, d'amener une conviction dans le cœur de chacun. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.